Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, secrétaire. Ramadan Mubarak à tous. Bon Ramadan à tous ceux qui sont en train de jeûner en ce moment. Voilà, qu'Allah accepte nos jeûnes, qu'Allah expie nos péchés, qu'Allah nous accorde le paradis Firdaus. Inch'Allah. Je vais appeler quelqu'un tout à l'heure. Il m'a dit ceci. Je m'appelle Sungalo. Je suis né dans le mois de Ramadan, donc qu'on appelle Sungalo en djula, Sungalo, c'est-à-dire le mois du jeûne. Donc, on est dans le mois du jeûne également, mais Sungalo est la fin d'Antouni. Donc, il veut se convertir à l'islam. Il est, je crois, à Korogo. Donc, il s'appelle Sungalo. Je vais essayer d'appeler Sungalo et puis on va voir ce que ça va donner, Inch'Allah. Mais en même temps, sachez que là, on va appeler Sungalo parce que Ame Sungalo Kalo là, quoi. Donc, on va appeler Sungalo. On va voir ce que ça donne. Inch'Allah. Nous sommes dans le Ramadan 1444 de l'Égypte. Vous êtes en direct du bureau de la DDR. Allô? Allô? Ouais. Oui, mon frère, bonsoir. Ouais, bonsoir, Oustad. Ouais, tu dis, tu t'appelles comment? Je m'appelle Sungalo, Siloué. Ouais, Siloué, Sungalo. Tu es à Korogo, non? Ouais, j'étais à Korogo. Korogoville? Ouais, Korogo, j'étais à Korogo, niveau passé. Ah, ok, ça tombe bien alors. D'accord. Donc, on est dans le mois de Ramadan. C'est ça qui est Sungalo en djula. Donc, oui. Tu m'as dit que tu es né dans un mois de Sungalo, non? Dans Ramadan aussi? Oui. D'accord. Donc maintenant tu m'as appelé ce soir, tu voulais quoi? Tu voulais expliquer quoi? Parce qu'on est en direct, hein? Donc le monde entier t'écoute. Voilà. Tu étais chrétien, voilà. Ou bien tu étais animiste? Voilà, c'était pour témoigner. D'accord. Tu vois? Oui. Voilà, parce que moi, c'est chaque moment, je suis là, regardé vos vidéos. Alhamdulillah. Voilà, Ismaël Aka, il est, comment on appelle, Poussa Diané. Nam. Voilà. Maintenant, j'ai regardé une vidéo de Gédéon. Oui. Il m'a un peu touché, c'est à cause de ça. Moi, c'est à cause de cette vidéo-là, je voulais que où il y a la vérité, là. Mm-hmm. Voilà, c'est là-bas, je rouvre. D'accord, je t'écoute, Sungalo. Voilà, maintenant, j'ai écouté une vidéo de Gédéon. Uh-huh. Voilà, ça m'a un petit touché. D'accord. Gédéon de la Tchétchou va dire. Oui. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oui. C'est que Dieu n'existe pas. Oui. Ah, pourtant, j'ai regardé une vidéo de Gédéon. Oui. Il dit Jésus-Christ est fils de Dieu. Effectivement. Bon, là, je vois comme il y a quelque chose qui manque. Il est là, menti aux gens, il cache la vérité. Voilà, il y a quelque chose qui manque, c'est oui. Ce qu'on appelle la vérité. Uh-huh. Voilà, mais maintenant, comme j'ai regardé vos vidéos beaucoup. Oui. Voilà, un jour même là, j'étais appelé, il y a comment on appelle, j'étais en direct. Uh-huh. Voilà, j'ai lancé mon numéro, que tu n'as qu'à m'appeler, on a fait un petit direct. Ok. À cause de ce mort-là, Gédéon-là. Oui, mais tu es chrétien, c'est ça? Moi. Est-ce que tu es chrétien? Non, je ne suis pas chrétien, je vais être musulman aujourd'hui. Alhamdulillah. On est en mois de carême, je suis né en mois de carême. Oui. Voilà, donc toi, là, si, comment on appelle, le 17 avril, comment on appelle, le 17, c'est mois de carême-là. Mm-hmm. Voilà, c'est mon anniversaire. Alhamdulillah. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Voilà. Donc, je voulais... C'est un truc... Comment on appelle ça? Donc, c'est à cause que j'ai lancé mon numéro. Bon, tu n'as pas pu m'appeler. Comment on appelle? M'appeler. Oui. Bon, il dit, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, c'est une vidéo, j'ai regardé. Uh-huh. Où il y a un frère qui est là, crié que, ouais, je suis... comment on appelle? Le Coran n'est pas... Ça n'existe pas, tu vois, non? Uh-huh. Donc voilà, c'est là, il y a tout ton numéro, il dit, et t'as appelé aujourd'hui. Vraiment, tu as bien fait, Sungalo. Voilà, moi, je suis quelqu'un, moi, je suis déjà, chaque moment, je regarde vos vidéos, bon. Je vois, il n'y a personne parmi les chrétiens, tous les chrétiens. Allahu Akbar.
Ah oui, c'est clair. La DBR a eu la honte aujourd'hui. Non, ça ne va pas exister par la grâce d'Allah. Tant qu'on est dans la vérité. Ça ne peut pas passer. Oui. Parce que la DBR aussi Allah. Oui. Maintenant, les chrétiens font aussi Jésus-Christ. Oui. Ah, pourtant, moi, j'ai une vidéo de Jésus-Christ ici, parce que moi, je ne maîtrise pas la Bible. Mais j'ai application de la Bible, la comment, le Coran, ou bien Ancien Testament, Nouveau Testament. Oui. C'est tout ça et moi ici. Dieu merci. Voilà, mais j'ai regardé une petite vidéo de Jésus-Christ. Il dit, bon, vous cherchez à me faire mourir, mais c'est lui qui m'a envoyé un vrai. Oui. Et puis, il y a les gens, comment on appelle, Abidjan, qui ont dit que Jésus est Dieu. Mm-hmm. Ça m'étonne. Vraiment. Songolo, tu as raison. Non, mais ce que je peux dire, c'est que, en fait, parlant de Gédéon, il sait qu'il est dans le faux, mais il est déjà lancé. Il est déjà engagé dans cette fausseté-là. Donc, ceux qui le suivent aussi sont déjà engagés. Certains ont honte de revenir, de quitter derrière lui, de montrer. Quand même, Gédéon ne peut pas prouver que Jésus-Christ est Dieu. C'est pour ça que quand on lui pose une seule question, quelqu'un lui pose la question, oui, Jésus-Christ est-il Dieu? Mais en même temps, tu dis, il est le fils de Dieu. Pourquoi tu dis, Jésus est Dieu? En même temps, tu dis, il est le fils de Dieu. Il est là, sauter, descendre, roux, casse. Il ne peut pas s'en sortir. Ce n'est pas comme ça. Ça ne peut pas marcher. Parce que les gens ne sont pas ignorants. Les gens ne sont pas bêtes. Maintenant, ceux qui le suivent là, beaucoup savent que ce qu'il dit là est faux. Mais ils sont déjà noyés. Ils sont déjà lui. Ils vont faire comment? Récemment, il y a un frère qui m'a fait écouter l'une de ces passages-là. Et il disait comme ça que, oui, les musulmans, là, lui, il va commencer à parler. Il va écraser les livres, là. Il va faire ceci. C'est de la plaisanterie, ça. Ce n'est pas ce qu'on te demande, frère. On dit, viens, on va s'asseoir, on fait débat. Tu dis, tu as écrasé. Ce qui est dans vos livres, là, je vais parler de ça. Tu as parlé de quoi? Il y a quoi dedans? Mais viens parler ça devant nous. On dit, tu dis que tous les musulmans vont en enfer, là. Ça, on a trop entendu ça. Mais c'est, on te montrer dans le Coran, dans la Bible. C'est un peu ça. Beaucoup d'hommes vont lui poser la question. Il dit en même temps, oui, on sait où vous êtes. Pour lui, quand quelqu'un lui pose la question, est-ce que Jésus est Dieu? Pourquoi il priait Dieu? Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Pour lui, c'est un musulman qui pose la question. Mais on n'a pas besoin de ça. Les gens ne sont pas bêtes. Quand tu prêches là, il faut t'écouter aussi souvent, frère. Tu dis quelque chose aujourd'hui, tu dis le contraire demain, après demain, tu dis autre chose. Soit il est Dieu, soit il est fils de Dieu. Lui qui est descendu du ciel, il est rentré, il est sorti ici, on va où? Mais nous n'obligeons personne à venir débattre avec nous. Nous nous disons, voilà ce que la Bible dit, voilà ce que le Coran dit. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Maintenant, lui, quand il prêche, il n'a qu'à prêcher, c'est son droit de prêcher. Mais les gens qui sont autour de lui comprennent automatiquement que non, ce qu'il dit là, c'est faux. Ce qu'il est en train de dire là, c'est un mensonge. Tu dis Marie n'est pas la mère de Dieu. Lui, il refuse que Marie soit la mère de Dieu, mais l'enfant de Marie est Dieu. Ça veut dire quoi? L'enfant de Marie est Dieu, et puis Marie n'est pas la mère de Dieu. C'est un canal. Quel que soit le canal là, est-ce que ce n'est pas Marie qui a accouché Jésus? Quand tu accouches un enfant là, c'est ton enfant, mais ce n'est pas ton enfant. C'est ton enfant. Quel que soit ce qui va se passer, tant que tu accouches un enfant, tu resteras la maman de l'enfant ou bien le papa de l'enfant, comme l'homme n'accouche pas. Donc c'est la femme. Tu peux pas, tu as dit que c'est pas appeler l'ange Gabriel, mais tu peux pas expliquer ça. C'est sa maman. Oui. Jésus là, c'est sa maman qui est Marie. Jésus-Christ là, c'est sa maman qui est Marie. Donc voilà un peu. Souvent moi, bon, comme les gens prennent souvent ces vidéos pour faire bonjour à ça, pour faire rire les gens, bon, ça devient de la comédie maintenant quoi. Donc nous, en tout cas, on est là, DDR est là, nous sommes en train de sensibiliser la jeunesse. Non, voilà. DDR, il n'y a pas d'homme. Alhamdulillah. Donc, comment appelle Instagram, comment tout. Oui. Tu vois quoi? Il n'y a pas l'homme. Alhamdulillah. Vraiment, qu'Allah facilite son halo. C'est pas comme je me convertis à l'islam. C'est après ça, il dit ça. Il n'y a pas l'homme. Non, mais Allah est là. Parce que tant que tu as la vérité, tu as la garantie d'Allah. Où il y a la vérité là? C'est là-bas, on s'en va. Effectivement. Voilà. Il n'y a pas de problème, Sungalo. Pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. On est dans le mois de Ramadan, Inch'Allah, 1444 de l'Égypte. Il faut lever ton index droit. On va faire l'attestation de foi, Inch'Allah. Tu seras musulman tout de suite. Allah te pardonnera tous tes péchés passés, Inch'Allah. Okay. Allons-y. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ash'hadu. Ash'hadu. An la.
Allah. Ilaha. Ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. An. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Faut dire j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Mohamed est son messager. Voilà, c'est terminé, Sungalo, parce que tu n'étais ni chrétien ni musulman. Donc, on atteste la foi avec mon roi Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. C'est terminé, Sungalo, descends la main. Tu es musulman à l'instant. Ton 66 là, ça est sur, c'est un WhatsApp. Oui. D'accord. Nous, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp ici. Je vais également donner ton numéro à le président de la DDR, Korogo. Il va te contacter. Oui. Il va t'ajouter dans le groupe. Et il y a notre cheikh qui est dans le groupe également, qui s'appelle Diallo. Il est là-bas. Lui, il apprend les gens à lire le Coran à Korogo également. Les convertis. Même en dehors des convertis, il a des émissions sur YouTube et tout ça. Voilà. Il enseigne, il fait des tafsirs sur le Coran. Donc, il est très, très, très bon. Qu'Allah lui donne longue vie à nous tous également. Donc, je vais te mettre en contact avec eux tous et ils vont t'encadrer. Nous aussi, on va t'encadrer ici à Abidjan. Okay. Quand je passerai à Korogo pour aller dans mon village à Gbon, je vais garer, je vais chercher à voir Sungalo, je vais te saluer, je vais te serrer la main avant de partir. Inch'Allah, Inch'Allah. Okay. D'accord. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sungalo. Je vais enregistrer ton numéro. Tu enregistres mon numéro également. Oui, oui. D'accord, merci beaucoup. Salam alaikum. Ah, ok. Alhamdulillah, Rabbil Alameen.